Alors avec Horizon Culture ce soir, on s'intéresse au chant lyrique avant de recevoir Fulgencia Rutondi et son invité. On suit ceci. Voilà, Fulgencia Rutondi, c'était Voix l'antenne tout à l'heure. Vous voyez déguster justement cet extrait de chant lyrique. Fulgencia, est-ce un genre que vous aimez particulièrement? Oui, ça c'est vrai. C'est ce qui m'a amené justement à proposer ce sujet-là à nos amis téléspectateurs. Vous avez des goûts pas communs ou communs. Ah ouais. Je crois, hein, n'est-ce pas, Marion Akou? Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, merci. Ce genre, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas un genre que tout le monde apprécie. On est avec quand même des connaisseurs, non? Bon, enfin, je peux dire aujourd'hui que de plus en plus, les gens, dès qu'ils vont à la découverte de ce style, ben, ils adorent. La musique, c'est d'abord une expression de l'âme. Et on dit que c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Et donc après, lorsque vous avez la connexion là, vous ne pouvez qu'être sidéré, donc apprécié. Maintenant, après, ça peut ne pas être votre genre favori, mais vous avez quand même un certain respect, une certaine admiration vis-à-vis de ça. Donc, vis-à-vis de ceux qui pratiquent cet art. Ouais. Moi, d'entrée de jeu déjà, Léa, je voudrais savoir, quand on parle de chant lyrique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que comprendre? Bon, le chant lyrique, simplement, c'est une technique, en fait, une technique qui est utilisée dans la musique classique, une technique de chant utilisée dans la musique classique, en référence à un instrument lyrique. Ça vient de lyre, qui est un instrument qui ressemble un peu à la harpe, qui était utilisé dans l'Antiquité grecque pour accompagner les poètes. Et donc, après la dextérité des chanteurs de ce temps-là, a amené à donc, cette comparaison entre cette manière assez majestueuse donc, d'exécuter les chansons à cet instrument-là qui donc, servait de support au poète antique de l'antiquité grecque. Faut-il lier nécessairement le chant lyrique à l'opéra? Alors, de façon, on a dit musique classique, technique de chant utilisée dans la musique classique, et les genres de la musique classique, nous avons l'opéra, nous avons la cantate, nous avons les lieds, etc. Ce sont des genres de la musique classique. Cependant, la musique classique s'est ouverte à d'autres styles de musique. Nous avons, par exemple, un grand chanteur d'opéra qui fut pendant des années meilleur chanteur du monde. Il est décédé, ça fait il y a plusieurs années, il s'appelle Luciano Pavarotti, qui a eu à chanter avec des chanteurs comme James Brown, comme même Jennifer Lopez, etc. Et donc, depuis lors, la musique classique s'est ouverte sur d'autres genres. On a eu des featuring, par exemple, une combinaison de genres. Très bien, vous avez par exemple quelqu'un comme Andrea Bocelli, l'aveugle italien, enfin, il est tout vieux aujourd'hui,
grand respect à ce chanteur. C'est des grands noms que vous évoquez qui, sur ce plateau. Qui, par exemple, fait de la pop, l'opéra pop, si je peux dire ça comme ça, parce que quand il fait, par exemple, du Vivo Perlé, que vous écoutez très bien, vous voyez associé donc à la musique classique symphonique, les instruments de la pop tels que la batterie, la guitare basse et consorts, pour donner une certaine rythmique en fait liée donc à ce genre de musique. Mais qu'est-ce qui différencie le chant lyrique des autres chants? Comme je l'ai dit, c'est la dextérité des chanteurs lyriques, cette capacité, cette performance dans la voix en fait. Cette performance dans la voix qui emmène le chanteur lyrique à ne pas avoir besoin d'un micro en fait pour exécuter une chanson, de sorte à ce que son instrument vocal se substitue pratiquement aux instruments. Et d'ailleurs, les plus grandes chansons a cappella à exécuter sont faites par les chanteurs lyriques parce que la voix elle est tellement précise, que on n'a pas forcément besoin de les accompagner. Maintenant, après, quand on les accompagne avec un orchestre, alors là, c'est... Justement, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il faut avoir des aptitudes pour devenir chanteur lyrique? C'est vrai que devenir chanteur lyrique, ce n'est pas seulement une affaire de volonté, mais c'est d'abord une affaire de prédisposition physiologique des cordes vocales. Oui, parce qu'il faut avoir cette tessiture vocale-là, qui doit être ample. Il faut avoir cette... c'est-à-dire les tissus vocaux, les cordes vocales assez résistantes pour pouvoir vibrer, donner ce genre de sonorité. Mais là, après, il faut bien travailler ça parce que si vous avez le talent et que vous restez là, vous asseoir sur votre talent, il va s'étioler, il va disparaître. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut dire que le chant lyrique n'est pas à la portée de tous? À la portée de tous, dans quel sens? Les pratiquants, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on peut se lever du jour au lendemain et dire, voilà, ce genre me plaît bien, voilà. Il faut déjà avoir certaines capacités vocales quand même. Parce que si vous êtes chanteur lyrique, c'est que vous devez pouvoir passer d'un porte-voix, d'un micro, par exemple. Et parce que, par exemple, prenez les salles d'opéra construites en Europe et tout, elles sont construites de sorte que l'acoustique s'y prête, de sorte que quand le chanteur il va dans certaines hauteurs, par exemple, ou même quand il descend dans certaines profondeurs, la consistance de sa voix liée avec l'acoustique donc de ces salles-là donne une certaine présence automatique. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin de micro. Mais là, après, pour des normes d'enregistrement, des besoins d'enregistrement d'un spectacle, on peut le mettre un petit micro, soit à la cravate ou à la veste et tout, pour pouvoir enregistrer sur un support. Voilà. D'accord. Et quel est le registre vocal qu'un chanteur lyrique doit avoir? Alors, pour les hommes, le plus souvent, on rencontre les chanteurs lyriques au niveau des ténors. Les ténors, et on a deux types de ténors, enfin, on a deux grands types de ténors au niveau du chant lyrique, c'est les ténors lyriques, déjà lyriques, et on a les ténors nobles. Et maintenant, après ça, nous avons les barytons aussi. D'accord, justement, moi, dans mes petites recherches, je me suis rendu compte que les grands noms que vous citez, la plupart du temps, on leur prête plutôt le genre baryton. Je pense que ceux dont j'ai parlé, c'est des ténors en fait. Bon, il arrive qu'il y ait des barytons. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Florent Pagny, qui a une école de chant lyrique. Il est bariton, mais après il est allé vers la musique populaire. Sauf que même dans sa voix, on sent la présence. Voilà. Mais Andrea Bocelli est ténor, Luciano Pavarotti il est ténor aussi. Et Gian Barotti est même ténor lyrique parce qu'il a une de ces puissances vocales qui frise même. Bon, on va jusqu'à dire que sa voix, en termes de décibels, peut même briser les vitres. Waouh! Ouais. Donc, en enregistrement au studio, c'est des mètres, la distance des mètres, de 2 mètres, voire 2 mètres environ, du micro en fait. Parce qu'après, sa voix sature et puis les pistes ne marchent plus, tout est déréglé. Le chant lyrique n'est pas trop connu ici, sous nos cieux. Mais vous, qu'est-ce qui vous a amené à aller sur ce terrain-là? Bon, il faut dire déjà que moi, déjà tout jeune, moi, je n'ai pas vraiment appris à chanter comme ça. Il faut dire que déjà tout jeune, j'avais des prédispositions naturelles à cela, puisque déjà la chorale, j'ai commencé tout jeune dans la chorale au collège catholique Père Oupierre, j'étais en 5e, j'étais en culotte, et nous étions que deux en culotte pratiquement, tous les autres, c'était nos grands frères, ils étaient en pantalon, mais moi, on m'avait mis dans un pupitre où, pendant que les autres étaient à 10 dans chacun de leurs pupitres, j'étais seul.
parce que j'avais déjà des possibilités vocales telles que ma voix dominait enfin, les autres voix. Donc, il fallait me mettre seul dans un pupitre. Et puis après, à travers des chœurs, parce que j'ai fait partie de certains chœurs, avec musical, je me suis retrouvé à participer à une tournée de musique classique en France. Et puis c'est de là tout est parti. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des sommités en musique qui m'ont dit, mais on peut pas jouer avec ce genre de talent, on peut pas dire qu'on chante comme ça juste pour se faire plaisir ou bah, la chorale juste comme ça, et qu'il fallait donc que je vois la chose de façon beaucoup plus professionnelle. Bon, je suis rentré, c'est là que je me suis dit, ben, je ne vais pas faire comme tout le monde, je vais faire de l'opéra africain. Et donc, j'appelle mon style aujourd'hui l'afro-opéra, donc je métisse la musique classique avec les rythmes de chez nous, l'opéra en langue, en fond, en minan, en yoruba, etc. J'associe les instruments de la musique classique avec nos instruments qui sont beaucoup plus d'ordre percussion parlant et tout. D'accord, mais ma question va vous paraître bête, hein, mais est-ce que vous avez l'impression que ce mélange, il est homogène? Il est très homogène, parce que avant de m'y aventurer, j'ai d'abord commencé par ce que tout le monde connaît, la musique classique qui est occidentale. Mais après, je suis allé à l'école des rythmes de chez nous, je suis allé écouter les rythmes de chez nous pour voir lesquels de ces rythmes pouvaient métisser avec la musique classique. Et c'est comme ça, voilà. Alors, est-ce que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la chose? Si vous permettez, on aura l'occasion d'avoir encore Marion Harpo sur ce plateau. Le chef d'édition me fait de grands signes. C'est vrai que le sujet est tellement intéressant, tellement vaste. Ne vous inquiétez pas, aura sur un plateau beaucoup plus approprié. Vous aurez beaucoup de minutes pour échanger. Merci d'avoir été avec nous. On peut laisser notre artiste fredonner. Voilà. Pour nous dire au revoir. Le chef d'édition dit oui pour fredonner. Okay. D'accord. Donc, puisqu'il aime aussi le chant lyrique. Donc, en 30 secondes, c'est possible. Allez-y. Fifia do tomo o eni no kenyo o po ke klayele agbe nyama no kaviama le panore don kusugare le bola lo me lo soy ma vo soy J'applaudis pour ça, ouais, c'est une très belle performance, merci.